j'ai 22 ans et je suis étudiante en master 2 journalisme à l'IACP. Alors moi du coup, j'ai fait 2 ans de DUT commerce à Dijon, ensuite je suis partie en 3e année de fac à Grenoble en infocom option journalisme, et du coup après je suis arrivée à l'IACP l'année dernière en master 1. Première année de master, on revoit un peu les bases du journalisme, donc tout ce qui est presse écrite, télé, radio, des choses que je connaissais pas forcément, donc c'était cool de revenir aux bases. Et après on a le côté pratique au deuxième semestre avec l'immersion, donc c'est une semaine dans un organisme où on découvre tout simplement le quotidien de l'organisme. Moi j'avais fait dans un studio de doublage. En première année de master, il y a aussi la possibilité de faire des stages, donc un stage soit de 5 mois ou soit 2 stages de 2 mois. Moi j'ai pris la deuxième option où j'ai fait un stage en presse écrite au journal de Saône-et-Loire. Et l'autre stage, je l'ai fait dans quelque chose de complètement différent sur une application à destination des jeunes. Donc ça n'a rien à voir et les deux non plus, donc ça prouve que j'ai trouvé ma voie. Et la deuxième année, c'est une année beaucoup plus pratique où on a la possibilité de faire une alternance. Donc moi, depuis septembre, je suis en alternance chez GoDécrypte. Alors GoDécrypte, c'est un média qui est seulement sur les réseaux sociaux, pure players, et qui est à destination des jeunes, qui fait des résumés d'actualité chaque jour pour informer les jeunes âgés entre 15 et 25 ans. Et du coup, il est présent sur Insta, TikTok, YouTube, Twitch, enfin un peu tous les réseaux sociaux. Donc moi, ma mission principale, je travaille essentiellement sur TikTok, où chaque matin, je vais faire de la veille, je vais écrire, je vais parfois monter. Et je fais ce genre de mission parfois sur d'autres plateformes, donc Instagram, YouTube par exemple. Alors, pratique, complet dans les formations et dans les cours, et bonne ambiance.